Le soir, traiteur et porteur se retrouvent autour d'un feu de joie. Les porteurs chantent. Les garçons lancent la première strophe. Les filles leur répondent. Ces joutes chantées peuvent durer des heures sur le même air. Descendons le vallon, l'endroit est bucolique à souhait. Mais le sentier conventionnel étant coupé, nous empruntons un autre passage, plus en amont, pour retrouver sur l'autre rive un sentier en provenance du Tibet et suivre la rive gauche vers Laval. Un pont en bois marque le début du Tibet et la fin du Népal. Nous le franchissons sans visa ni passeport, en espérant que le mauvais temps retiendra les gardes-frontières chinois. Descente le long de la rivière qui a creusé des gorges profondes et sculpté les rochers. Des cascades et des rivières souterraines l'alimentent. Puis, 2 heures plus tard, nouveau pont, nous retrouvons le Népal. Cette forêt est exploitée de manière primitive et très peu rationnelle, car les bûcherons abattent des arbres à hauteur d'épaule. Cependant, dans les parcs nationaux, l'abattage des arbres est interdit. Le sentier louvois entre les forêts de hêtres et de chênes et descend vers la vallée de la Chilimécola par à-coup. Jauh ke dalam.
quelques heures, nous atteignons le sympathique village de Tatopani, qui signifie « eau chaude » en Népali. Enfin de la couleur, de la vie et des habitations. La bonne fortune de ce lieu est liée aux sources thermales ferrugineuses qui jaillissent à 55 degrés. Elles alimentent 3 bassins. Traversée de champs en terrasse tout au long de la descente vers Siabruwenzi. Nous poursuivons jusqu'à la Chilimé Kola. Nous longerons la beauté cosy pendant une bonne heure jusqu'à pénétrer dans le village de Siabruwenzi. Sous-tente, sur le terrain de camping aménagé au nord du village, au pied des habitations et des magasins. La traversée du Ganesh Himalaya se termine ici. Retour par l'autocar du matin à Katmandou, sur une route qui franchit les profondes gorges de la Trisuli River. Merci à tous pour cet agréable parcours.